Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. C'est toujours un plaisir et pour nous montrer la carrière ensemble avec exclusive Actu. J'aime toujours dire émission si là qui fait dans l'idée pour former avec informer et dans ça qui gagne pour avec politique dans le pays d'Haïti. Nous venons faire analyse pour nous et camper devant la réalité et puis nous expliquer au lit comme ça doit. Et dans le moment on a parlé là et dernière information qui tombait. Non mais nous dans un discours que qui était lu à Nassau Bahamas dans cadre réunion annuelle communauté CARICOM dans lui-même l'étape li organisé chef gouvernement canadien lui-même qui était précisé que il y a des militaires canadiens qui capable déployer dans semaine cap vin là et ceci militaire sa yo y a pour mission pour capable effectuer une surveillance pour capable prendre renseignement avec mettre une présence large au niveau de l'armée pays d'Haïti et d'après ça que chef gouvernement canadien lui-même li t'a expliqué et donc Ottawa Canada même selon même information et premier ministre là li a voyé et en pile bateau et royal canadienne au large d'Haïti et cette affaire de jodi a la note de Izo qui gen chaloupe li la flané Jean Levé là sur airport là et m'a dit airport la flané Jean Levé là sur la mer et nous met kwem dans jour k'ap vin la yo suivant et discours si là que chef gouvernement canadien lui-même li fait passer message ça à travers discours li pour faire connaître que dans jour qu'a vinn là yo et l'armée a pral contrôler et ceci contrôle qui pral mettre sous l'armée c'est pour capable quand même gain contrôle ça cap gérer à terre là c'est pour gain contrôle et c'est pour qu'il contrôle côte là, c'est pour qu'il contrôle toute vieille zac cap fait, toute vieille deal cap fait passer sous la mer. Comme si nous voulons mesdames et messieurs, bagay yo en pile et n'a pas avancé, n'a pas gardé pour moi qui j'ai activité dans la République et toujours même problème au niveau de l'immigration, toujours même problème yo. Et Jean Saye jusqu'à présent dans le département des NIP commissaire Muscadet lui-même il troussé et chemise li il troussé pour être chemise li mettait botte dans pied il prend la rue il dit et il s'est menté 7 fois 77 fois c'est pour moun nan NIP régler tout dossier yo comme ça doit c'est pour yo faire passeport yo et aucun tira qui était pas pour faire moun dormir devant et immigration aucun tira qui était pas pour faire moun passer misère et comme ça doit faut que tout le monde entre prend ligne al faire passeport en Miragouane ou te mette directeur immigration gon nombre de passeport que yo wè nan mon avec une quantité comme faut capable prouver est-ce que c'est agence ou gagné et gon série de zak k'a fait sous et zak d'apian k'a fait sous malheureux avec malheureuse commissaire Muscadet lui-même li dit li pa nan bagay comme ça dossier carnaval k'a approché là et l'autre semaine et nous pral commencer ensemble avec lundi gras et suivant notre mairie Port-au-Prince lui-même li te mette dehors qui gen en tête les Luxon en janvier comme maire titulaire on dit ça maire intérim et notre mette dehors c'est que bon budget de 15 millions de gourdes qui débloqué là pour n'être capable font carnaval 6h et 10h du matin pour 6 heures dans l'après-midi cause problème insécurité cause problème courant blackout qui gagne et nego a bien environ 5 chars qui pour capable et assurer parcours carnavalesque là au niveau de centre-ville précisément Chotmars parce que nous t'as supposé font exclusif takeover ensemble avec maire et Port-au-Prince là Luxon janvier pour nous capable à recueillir plus information dans mail de quoi il en est et un comité carnaval qui est formé là un comité carnaval là à trois tout qui c'est chanteur
et groupe rock femme la mea gen Yves Benel qui c'est lui-même et ancien ou bien directeur et théâtre national, tout le monde ça fait partie de commission k'ap gen pour gérer carnaval là et n'importe quoi presse et Wall Josué, tout le monde ça fait partie de comité k'ap gen pour gérer carnaval là au niveau de Centreville. Mesdames et messieurs, un pile coup de filet comment ça fait, la police pas chômé, yo continue à mettre dominant gen gang yo et un pile gang commence tomber hier dans échange de tir qui était gen sous tabord, gen deux individus qui tombé mortellement, la police li même li rivé déposer la patte sous deux armes tout qui était menek sa. La police pas chômé, en pile opération toujours mené toujours dans cadre opération Tornade 1 et gang vite l'homme nan li coincé en bas matraquage. La police encore une fois n'a dit bravo ensemble avec le directeur général France LB. Et mesdames et messieurs, et moi c'est que toute information si là yo yo mandé en pile réflexion, yo mandé en pile sang froid hein, pour nous capable par qui moyen nous-mêmes nous capables jouer les bons coups, capables jouer les bons coups, utiliser les bonnes marches pour nous capables retirer tête nous dans crise actuelle. Et programme humanitaire Joe Biden là, humanitarian payroll visa, et il y a jusqu'à présent des républicains qui a tiré pied et dans l'idée pour t'amender pour programme si la lui-même l'état campé et haïtien continuer à faire passeport papil pas paquet pour voyer by famille dans pays et kay tonton Sam pour capable appliquer pour yo. Yon l'autre fois encore 20 états républicains yo mandé à tribunal Texas là pour li camper à programme humanitaire payroll administration Joe Biden là. D'après Fox News, républicain yo di programme là supposé camper juste en la justice arrivé trancher sous dossier si là. Donc c'est 20 états républicains qui mandé pour et si là et ta fait concernant programme et humanitarian payroll visa Joe Biden là. Donc mesdames et messieurs, et Jean Barayo est là. Faut moi dire bien. Et même Canada tout dans jour qu'app vinn là, pour li commencer recevoir et la Cali et en pile haïtien, en pile immigrant Canada li même li pral commencer recevoir en pile immigrant dans jour qu'app vinn là. Donc haïtien qu'a fait passeport papil pa paquet pour quitter pays a et en pile opportunité a venir, en pile opportunité a venir, mais est-ce que c'est opportunité yo vraiment, et est-ce qu'on ka di et dans toute intégralité c'est opportunité yo réellement? Le pourquoi, parce que si pays a te capable avancer, si pays a te gain travail, si pays a te gain une bonne marche que l'état lui-même l'était établi, crème pays a t'a prêté pour travailler pour pays a. En fait crème pays a t'a toujours là puis capable poter coller ensemble avec pays a précisément. Bon, donc malheureusement l'a toujours comme ça dans pays, c'est kidnapping qui a élargi sur tout territoire dans quatre coins pays, c'est kidnapping qui a élargi. L'a toujours normal pour le c'est gang qui capable passer autorité judiciaire yo, l'autre c'est gang qui capable demander pour libérer pour lui yon nèg yo t'a arrêté, yon nèg qui t'a tué moun, yon nèg qui t'a vendre drogue, yon nèg qui t'a fait kidnapping. Donc c'est gang qui gagne genre de pouvoir ça yo dans pays, parce que jusqu'à présent on regarde majorité bureau immigration yo fait couvert dans pays a, yo sous contrôle on chef gang. Son chef gang qui prend contrôle yo, son chef gang qui mette moun travail dans bureau yo, son chef gang qui mette des nèg armés dans la cour yo pour faire moun entrer pour pile l'argent. Donc le pays va mal. Et hier soir tout de non profonde réflexion pendant que me tap tande aux amis qui t'a parlé surtout sur réalité qui gen la jodi a. Et suivant mauvais fonctionnement des agents de police, mauvais fonctionnement au commandement la police là tout, qui de connivence ensemble avec politiciens véreux, politiciens malhonnêtes qui gen là aujourd'hui a, puis t'a capable tamé yon matraquage ou bien opération pour t'arriver et éliminer vite l'homme, suivant déclaration vite l'homme lui-même li te fait yo, en tant qu'on est qui prêt pour le dire
tout bagay en tant qu'on est qui prêt pour parler toute vérité, tout mettre tout caca chat dehors. Donc t'assembler objectif négo, c'est tu éviter l'homme le plus rapide que possible pour toi vérité, pas prendre la rue. Parce que pas oublier dans et dernière sortie vite l'homme te fait aller même. Il t'a dit comme ça. Il t'a dit comme ça la donne. Pouvoir ça qui gagne là, son pouvoir qui prend sous sang. Et tout le monde connaît comment Ariel lui-même était venu arriver premier ministre, dans quelle circonstance il était venu à gérer ces deux postes à la fois président et premier ministre. C'est Jovenel Moïse qui était mort. Et de façon tragique en plus. De façon tragique. Bon, c'est que vite l'homme n'a pas pile bagaille pour le tadi. Bon, c'est le plus bagaille pour le tadi toujours. Et bon, c'est au moment opportun. Au moment opportun, il est capable toujours faire des vidéos, continuer faire des vidéos, parler, parce que là, il vient vraiment difficile. Il vient vraiment difficile pour mon dadou pour aller faire une interview avec qui que ce soit qui est en quartier populaire ou qui a qu'un bézam, parce que j'en bats là et je dis à là. Nagisit fait ça, vous voulez. Nagisit prend justice là comme zam personnel. Et yo voye raso jan yo vle, yo fè men bouche moun yo vle, yo intimide moun yo vle. Donc justice la jodi a, c'est matériel personnel nèg yo pou capable intimider des moun qui a fait travail honnête et des moun qui paisible dans société qui choisit vivre selon les normes, qui choisit appliquer sa la loi mandé pour yo même yo appliquer puis yo vivre bien puis yo pas dans contravention ensemble avec donc la loi. Et donc moi gen ensemble avec moi sous ligne là tout un ami qui t'a placé deux mots surtout sous activité carnaval Port-au-Prince là. Et activité carnaval Port-au-Prince là on dit qui coiffé par mairie de Port-au-Prince qui gen en tête Lyon tant collection janvier que nous sommes parler dans carnaval là là un militant et qui toujours dans la rue un militant qui gen en pile relation avec en pile autorité politique dans émission exclusive actuelle n'a recevoir Louberson Benjamin Ditiouri qui pral parler nous et lui même de qui ça lui pensait de qui ça lui comprendre de initiative si là qui t'emmen et qui coiffe qui t'emmen par et l'état central et jusqu'à présent là qui en cours de réalisation l'autre semaine par mairie Port-au-Prince qui gagne en tête un monde tant que Luxon Janvier et 15 millions de gouttes lui même l'a débloqué pour un carnaval 10h du matin 6h de l'après-midi dans la cour Port-au-Prince. Nous personne Benjamin dit si oui comment est gué bon là je me dis on a salué auditeurs auditrices qui vont en son pays et on a salué équipe solide Radio Éclair en général, on a salué tout employé immigration, tout employé intérieur, tout pays. OK. Parce que c'est tout à fait normal et monsieur ça qui basé sous bar carnaval. On nous pense que mais sauf que le problème que j'ai avec carnaval là, il trop bonheur que mon c'est à travers char logistique yo personnellement artistio du cas des poulets mais il trop bonheur. C'est ça que j'estime, mais parce que j'estime que moi et le ministre qui sont débloqués pour le carnaval là, pour mes rioli, qui sont en pile. Et puis, tu il va qu'à faire. Voilà. Et donc décision ça qui prend bon côté et mairie pour organiser carnaval 10h du matin pour 6h de l'après-midi, comment elle tout à cause de courant pas gain à cause d'insécurité, comment ça? C'est le problème. Donc si vous voulez passer mon parle, donc lui même il voulait dire que comme ministère de la culture débloqué pour mairie capable et organiser carnaval lui même il trop petit et 15 millions de gourdes, 5 chars et décoration, monde qui va travailler dans logistique et cetera. Donc moyen l'état m'a dit réviser quand même. Donc et mesdames et messieurs, là n'a pas mais yon bout ensemble avec émission jodi a exclusive actu qui était présenté par moi-même James Bertrand et qui était gagné Louberson Benjamin Titio qui était dit deux mots et qui était juste ajouté et moyen avec le que moun yo choisi pour organiser carnaval dans ville Port-au-Prince li
et peut-être mal choisi, il peut-être mal choisi gagne petit discordance là-dedans. Donc c'était un plaisir pour nous te venir présenter exclusive actu aujourd'hui à James Bia 31 ensemble avec vous, zami Chili, zami Brésil, m'a toujours dit nous regrouper nous faire et faire groupe WhatsApp yo inviter me là-dedans pour nous capable gérer dossier casier judiciaire yo et dossier certificat de bonne vie mais pour nous capable gérer dossier nous Brésil, gérer dossier nous Chili. C'était un plaisir pour me ensemble avec nous. Numéro de téléphone dans toujours 36 92 72 23 36 92 72 23. Bye bye tout le monde et bon mercredi. Bon jeudi, amen. Bon jeudi, à la prochaine.